السلام عليكم مازول في اللون بونجور approchez encore 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 vous voyez le monsieur qui est derrière moi qui vous fait un sourire béat de satisfaction vous ne le connaissez pas n'est-ce pas vous le connaissez plutôt ce n'est pas n'importe quel olibrius c'est monsieur Roule le ministre des bus et des avions, en compagnie de M. Guérin, alias Rani Guédoui de TSA, ministre de la presse et de la pub, et aussi de M. Lamamara, ministre algérien des affaires étranges. Savez-vous pourquoi celui qui fut le ministre du projet du siècle affiche une mine aussi réjouie? Savez-vous? Je vais vous le dire. Et je vais vous dire d'autres choses aussi. Mais promettez-moi que ça restera entre nous. Ça ne doit pas sortir d'ici, ok? Ça ne doit pas sortir de Hachir Toumrani. Vous ne connaissez pas Hachir Toumrani? C'est un village en Algérie. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Hachir Toumrani qu'il n'existe pas, ok? Je compte sur vous parce que j'ai envie de rentrer au pays et s'ils apprennent que je vous ai raconté des choses, je suis bon pour 10 autres années. Voilà, on va y aller. En fait, ce monsieur est très content parce que dès que ses employeurs, ceux qui gèrent le fonds de commerce Algérie, ont appris que la France, par la voix de son propre président, a décidé de rapatrier en France les restes des victimes du crash, toutes les victimes, y compris ceux des Algériens, si tant est qu'ils parviendront à les identifier les uns des autres, et que le même président français, sans tenir compte de la plus petite façon de la susceptibilité du régime algérien, qui tente de vendre sur lui-même l'image de pouvoir particulièrement ombrageux, Zamazama. Alors, ils ont dépêché les trois ministres Zamazama, avec une équipe de police scientifique, Zamazama, et toute une délégation de spécialistes Zamazama, pour essayer d'essuyer les plâtres et faire comme si Zamazama. Alors, quand ils sont arrivés au Mali, armés de leurs bagouts et de leurs plus jolis sourires, nos braves ministres ont demandé gentiment au petit personnel diplomatique de l'ambassade de France, qui avait du temps à perdre, ils lui ont demandé si le chef de l'État français ne pouvait pas rattraper un petit chouïa à ses propos, les tempérer Zamazama en disant par exemple, entre deux petites virgules, que puisque l'avion espagnol de Swiftair était affrété par Air Algérie et qu'il se trouvait donc sous souveraineté algérienne, il avait appelé son homologue algérien et avait convenu avec lui que les restes et les boîtes noires seraient envoyés en France. Le petit personnel diplomatique de l'ambassade de France, qui avait du temps à perdre pourtant, répondit du haut de ses nouvelles certitudes néocoloniales qu'il n'avait pas de temps à perdre à écouter de telles âneries et que le président français en avait encore moins et qu'il n'allait pas se compromettre, comme certains, pour dire qu'il s'était entretenu avec un invalide de chez Invalide, puisqu'il est sorti des Invalides. Allez! « Allez, oust, circulez, à rien à voir », leur a-t-on dit à nos trois moustiquaires. Moustiquaires, pur produit cellule du flitox radical, chacun dans son domaine, qui dans ses autoroutes, qui dans sa pub et qui dans ses tours de passe-passe, verbaux, qui savent si bien transformer des bérésinas en défilé du 14 juillet. Alors, notre Roule national et ses deux compagnons firent jouer le téléphone direct El Mouradi à l'Elysée. Petit Saïd et Sergio Garcia empoignèrent le téléphone spécial patron, celui réservé à Saint-François. Lui-même, pour les appels d'extrême urgence, leur avait-il bien signifié. Il avait même insisté qu'il devait arrêter de l'appeler pour n'importe quelle nomination, pour n'importe quel gros contrat. Apprenez à voler de vos propres ailes, de vos propres pognes, leur avait-il grondé. Les avait-ils grandis? Vous êtes assez grand pour connaître les intérêts de la France, mieux que n'importe qui, quand même. Et là, ils étaient dans la mélasse. La sortie de Saint-François les avait ridiculisés comme jamais. Ils ne savaient plus quoi faire.
à croire que François le faisait exprès. Après les avoir obligés à défiler sous sa tribune le 14 juillet, voilà qu'il annonce au monde entier que l'Algérie, pour lui, c'est de la moutarde. Alors, comme leurs trois ministres, ils l'ont supplié de faire un geste, de sorte que les Algériens, dont il leur avait lui-même confié la garde, ne pensent pas qu'ils étaient moins que des cabranettes. Alors, si François, agacé, mais généreux, leur a dit qu'il allait donner des ordres pour que leurs trois ministres prennent une photo avec une boîte noire, celle qui ressemble à une boîte de Zotla, et qu'il les autorisait à dire que c'était eux qui avaient accepté de leur plein gré de remettre de bon cœur les boîtes noires à la France. Et c'est pour ça que le ministre du Goudron-Gruyère, hein, vous voyez l'autoroute, est en train de mourir de sourire. Il n'y croyait plus. Enfin, si François a accepté de permettre à sa nouvelle colonie de sauver la face, alors, ne tenant plus de joie et de zèle, il poussera le bouchon jusqu'à dire qu'il remettait les boîtes noires, non pas à la France, mais à la commission d'enquête habilitée selon la législation internationale de l'Organisation internationale de l'aviation. Si François, il va dire, regarde l'arabe, tu lui donnes le doigt, il te bouffe le bras. Parce qu'en fait, un, ce n'est pas Roule qui a envoyé ces boîtes noires, mais l'armée française. Et deux, elles n'ont pas été expédiées à une commission d'enquête qui relève de l'Organisation internationale de l'aviation, mais à une autorité française relevant de l'État français, basée à Paris et qui ne relève que de l'État français, et qui a pour nom bureau d'enquête et d'analyse. Et pour ceux qui veulent vérifier, voici l'adresse de cette fameuse commission. Son adresse, c'est bâtiment 153-200 rue de Paris, zone sud, aéroport du Bourget, 933-352 Le Bourget. Voilà donc comment ça se passe à peu près. Et ne soyez surtout pas étonnés, parce que je vous garantis que c'est bien pire que ça. Mais on va écouter la vidéo de ce monsieur quand il va dire qu'il a décidé d'envoyer la boîte noire à la commission internationale, etc. On va l'écouter. Nous أكد لكم اليوم أن إحدى العلب السوداء تم العثور عليها وسوف توجه إلى لجنة التحقيق المؤهلة لذلك. Une des deux boîtes a été retrouvée et sera transmise à la commission chargée de l'enquête de l'Organisation internationale de l'aviation. Pour ma part, je me rends aujourd'hui en qualité d'envoyé du président de la République au Mali et au Burkina Faso. كرئيس خلية الأزمة أنني سوف أتنقل اليوم كمبعوث خاص من طرف فخامة رئيس الجمهورية إلى كل من دولة مالي وبوركينا. Vous avez entendu? Voilà, il ne dit pas qu'il est à la France, il dit qu'il a envoyé une commission internationale de je ne sais pas quoi, d'aviation. Hein. Mais c'est rien, tout ça, ne soyez pas étonnés. Parce que je vous garantis qu'en réalité, dans les faits, là où, derrière le rideau, c'est pire que ça. C'est pire, on nous aura tout fait. Le régime est allé jusqu'à fouler aux pieds ses propres fanfaronnades dont il nous abreuvait à longueur d'année pour nous entretenir dans la haine de la France, pour qu'on n'aille pas trop fouiner de ce côté en France, pour qu'on ne découvre pas que le pouvoir français, de gauche ou de droite d'ailleurs, a toujours été aux commandes en Algérie depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, depuis qu'il a décidé que ce devait être l'armée des frontières qui devait prendre le pouvoir et que c'était à elle de liquider ou de corrompre les authentiques révolutionnaires. Alors ils nous ont shooté à la haine de la France pendant que eux, ils en faisaient la plaque tournante de leur trafic, pendant qu'ils y faisaient l'acquisition de somptueuses résidences via son attraque. Son attraque achetait de l'immobilier à bras raccourcis, le laissait dormir un peu et le leur revendait moins cher, beaucoup moins cher qu'elle l'avait acheté.
Mais ce n'est pas le sujet de 10 jours. Donc, pendant qu'ils faisaient leurs 400 coups en France, qu'ils y blanchissaient l'argent de leur rapine, nous, ils nous entretenaient la France, c'était moi, patati, patata. Mais là, depuis que Bouteflika a été élu, puis depuis qu'il a eu son premier AVC en 2005, puis surtout, depuis son deuxième AVC qui le transforma en invalide intégral, la France a décidé que ce serait son petit frangin qui prendrait la direction des affaires. Déjà qui faisait le boulot depuis 2005. On nous avait dit qu'il avait eu un petit problème gastrique, cancer, je ne sais pas quoi, mais en fait, il a surtout eu un AVC. Et depuis 2005, petit Saïd, comme on l'appelle, occupait carrément le bureau de son frère Al-Mouradia. Et donc, le moment venu, c'est aussi la France qui décida de faire rempiler Bouteflika, de désintégrer un DRS qui ne filait pas aussi droit qu'elle le voulait, et si ce n'était l'intervention directe de John Kerry lui-même, même Taufik aurait été dégommé. Comme quoi, hein, chacun a une petite puissance, petite puissance à laquelle s'accrocher. Alors maintenant, la tarte nationale, hein, vous voyez, hein, il se la goinfre sans plus s'en cacher. Direct, vous voyez là, il goinfre, hein, en haut, Shuhada Rabbi Rahmam, il le regarde, voilà, ils sont morts pour que... Ça, c'est des petits en plus, hein. Ce n'est pas des grands barons, hein. C'est disons, le deuxième, troisième cercle comme ça. Donc, mais ils ne s'en cachent plus. Ils ramènent une tarte, voilà, un gâteau, couleur de l'Algérie, ils le découpent, ils sont tout contents, et là, lui, il se frotte le ventre déjà. Et les Chouada, ils regardaient bizarrement, ils sont tristes. Hein. Et donc, ils ne s'en cachent plus. Fini le socialisme pour les uns et les privilèges honteux pour les nervis, les clientèles et les parentèles. Maintenant, c'est la mafiocratie par une oligarchie dont tous les membres, tous, sans aucune exception, ont des liens familiaux les uns avec les autres, d'une manière ou d'une autre. Ils ne se marient qu'entre eux depuis 62. Et même les derniers arrivés, ceux qui viennent d'arriver, il y en a même qui ont divorcé de la première qui est une roturière, hein, qui pour se remarier avec une fille du régime. On a appris récemment que un gros et grand apparatchik aurait épousé la fille d'un gros et grand général, une fille devenue veuve entre-temps. Mais bon, donc après avoir tout fait, jusqu'à faire du haut commandement de l'armée algérienne une base auxiliaire de second ordre, jusqu'à lui enjoindre de ne pas fêter le 5 juillet, mais le 14 juillet, et j'en passe. Maintenant, si François, si, c'est comme ça qu'ils l'appellent eux, si François, comme on dit, mais même s'il ne les compte plus, pour eux, ça n'existe même pas. Mais le plus comique, si tant est que ce n'est pas tragique, est que maintenant, quand on s'étonne de l'absence du président, même dans des circonstances particulièrement gravissimes, comme maintenant, on nous demande, qu'est-ce qu'on nous demande à votre avis? On nous demande d'être des Algériens. Oui, on nous demande d'être des Algériens. Ça veut dire des gens qui ne doivent rien demander à ceux qui les gouvernent, à ceux qui les mènent droit au mur. Écoutez, celui-là, il va vous le dire lui-même. Simplement d'être Algérien, de s'assumer en tant qu'Algérien, de défendre l'Algérie. C'est-à-dire le mouchkil, de défendre l'Algérie. Et le ménage ferme, vous avez compris que les Sarahas, بعد رؤساء راه مداوي في فرنسا صافي اسابيع واسابيع واحد ما يتكلم عليهم اها غير رئيس بوتفليقه شويه سي بو سا كو ميدامز اي ميسيو شويه بن عمي شويه يدكوس سويسيدي ساك Il faut être algérien. Il faut être algérien. Pourquoi vous demandez après le président? Il y a des présidents qui sont allés en France depuis des semaines. J'aimerais bien savoir lesquels. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et enfin, aujourd'hui, RFI, crash du vol Air Algérie. Les boîtes noires sont en cours d'analyse à Paris. Nouvel observateur. Crash d'avion au Mali, les boîtes noires seront expédiées en France via Bamako. TSA,
crash du MD-83, les boîtes noires remises à l'ambassade de France au Mali. Avec nous, Sofiane Chouetter, juriste spécialisée en justice transitionnelle, et Haroun, porte-parole du Maol. Sofiane, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, Jamaldine, de m'avoir invité, et Eid Moubarak à toutes les personnels de la chaîne Maghrébie et à tous les musulmans. Eid Moubarak est l'occasion pour moi aussi, merci de me le rappeler, de fêter Eid Mabrouk, Saïd, Oulhna, Oussaha, à tous ceux qui nous écoutent, à tous les Algériens, tous les musulmans du monde, et même aux non-musulmans du monde, Eid Mabrouk, allez. Si Chouetter. Sofiane, moi je n'arrive même pas à exprimer, vous imaginez un peu cette histoire abracadabrantesque d'un avion sous souveraineté algérienne, un crash, c'est le président français qui gère et ça veut dire qu'il ne sauve même pas les apparences, qui ne fait même pas semblant d'avoir consulté son homologue. Écoutez, Jamaline, là je suis en tant que juriste, je vais me référer à des textes qui s'appliquent dans ce cas-là, et je me réfère surtout à la convention sur l'aviation civile qui s'appelle la convention de Chicago, qui a été adoptée en 1944 et qui est pratiquement tous les pays du monde ont ratifié cette convention. Et donc c'est le texte qui doit être appliqué en cas de situation. Premièrement, il faut déterminer la nationalité de l'avion. Donc, c'est son refaire à la convention, à l'article 17 de cette convention. Les avions ou les aéronefs ont la nationalité de l'État dans lequel ils sont immatriculés. Maintenant, il faut chercher cet avion, il est immatriculé où ? Est-ce qu'en Algérie ou en Espagne pour déterminer sa nationalité. Alors, deuxième point, c'est il faut aller chercher au cas où il y a eu un accident, un crash, comme c'était le cas, et voir quelle est la compétence d'ouvrir l'enquête. Là, on se réfère à l'article 26 de la même convention, où elle est explicite, elle dit qu'en cas d'accident survenu à un État, à un avion d'un État, c'est l'État dans lequel l'accident s'est produit, c'est lui qui ouvrira une enquête sur les circonstances de l'accident. Oui. Voilà. Oui. Et il est donné à l'État dans lequel l'aéronef ou l'avion est immatriculé la possibilité seulement de nommer des observateurs pour assister à l'enquête et à l'État. Donc, oui. Donc, c'est, dans ce cas, c'est soit l'Espagne, soit le Mali. Non. Juridiquement, c'est le Mali qui ouvre les enquêtes. Non, je veux dire, s'il est immatriculé en Espagne. L'Espagne, elle envoie des observateurs. D'accord. Mais c'est le Mali, c'est la souveraineté du Mali. C'est le Mali qui ouvre l'enquête. Voilà. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas d'autre. La France elle ne peut pas, n'a pas le droit d'ouvrir une enquête ou de pratiquement usurper, de prendre toutes les pièces à conviction, etc. Elle n'a pas le droit. Elle peut avoir le droit s'il y a des éléments qui peuvent nous dire qu'il y a un attentat. La cause de l'accident, c'est un attentat terroriste. Ouais. Et puisqu'il y a des ressortissants français qui sont victimes d'un attentat, là, les juridictions françaises, comme les autres juridictions, les autres nationalités qui sont victimes de ce, peuvent ouvrir une information judiciaire, une enquête judiciaire sur un acte terroriste. C'est tout. Alors, le problème, c'est que d'abord, Swiftair, c'est une compagnie de leasing qui prête ses avions, qui les loue généralement. Et ce qui n'est pas dit, c'est que c'est une compagnie qui a des activités très confidentielles, puisqu'elle fait de temps en temps des transports de troupes de l'OTAN ou de délégations de l'OTAN, entre autres organisations de ce genre. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que bizarrement, il y a 78 victimes. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est 116 ou 118, croire qu'on veut éclipser deux victimes. 118, parmi les 118, et donc il y a 118 familles. Or, pour la première fois dans l'histoire des crashs, on ne voit pas ces familles.
C'est comme si on leur avait intimé l'ordre de mettre une sourdine. Il ne faut pas qu'elle se fasse connaître. Et ça vient confirmer peut-être des rumeurs comme quoi il y aurait un très haut gradé des services français parmi les victimes, ce qui a entraîné donc ces fameux 3 jours de mise en berne des drapeaux français sans qu'il y ait un décret de deuil national. Et ça confirme aussi ces rumeurs qu'il y avait dedans des gens du Hezbollah et des agents de Bachar el-Assad et des agents des services algériens et des agents d'autres nationalités qui devaient, selon ces sources, se rendre tous à Alger pour un briefing, pour on ne sait quelle opération. On ne sait. Et là, toutes les éventualités sont possibles. Peut-être même que cet attentat a été perpétré par un autre État, une puissance qui est en train de commettre des massacres en ce moment, qui sait. Mais je n'en dirai pas plus. Mais sinon, quel est votre sentiment vous-même, Écoutez, il est fort probable. Bon, je pense que ce sont des rumeurs, des informations qui ne sont pas encore confirmées, mais ça explique aussi comment on a violé le droit international spécifique ou relatif à l'aviation civile, que la France a la précipité d'acquérir tous les éléments, les pièces à conviction dans la boîte noire, les corps, tous les corps sans exception des victimes, etc. Elle aurait dû peut-être la France, même si c'est via des militaires qui sont parmi les victimes, même si c'était un crash, disons un simple accident, elle aurait pu proposer sa coopération, les moyens techniques pour aider l'État malien de faire son enquête. Mais là, le fait qu'on a pratiquement, la France s'est imposée à tous les États de la région, c'est-à-dire les Algériens et les Maliens, elle a violé les dispositions de la Convention de Chicago sur l'aviation civile de 1944. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle veut cacher et qu'elle ne veut pas que l'opinion publique sache. Restez avec nous, Sven Schwitter. Haroun, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Tout d'abord, Fakh Jamaldine, Sahaïdkom. Je souhaite Aïd Moubarak à tous les Algériens et à tous les musulmans, et particulièrement à nos frères Arza qui souffrent actuellement. Merci beaucoup. Mon frère, Khouya Haroun, Khouya Hassine, moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'il y a 118 familles, on ne les entend nulle part, on ne les voit nulle part. À croire qu'on leur a demandé de se taire, de ne pas apparaître, de rester dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, bon, là, c'est comme si on tombait dans un lead gap. C'est-à-dire, je m'explique. Oui. Il est tout à fait compliqué pour le commun des citoyens ou des gens qui nous suivent de comprendre exactement ce qui se passe et des tenants et des aboutissants de cette affaire du crash. Je me permettrai d'abord de citer deux choses, un peu le commencement et la fin, c'est-à-dire juste après le crash, et une information qu'on a depuis à peu près quelques heures. À peu près 36 heures après le crash, le DRS, par le biais de la DSE, donc de la documentation, le service de documentation de sécurité extérieure qui communique avec les partenaires européens, a fait un point de situation et il a adressé justement une missive aux partenaires européens et étrangers pour dire que le crash de cet avion est dû à une attaque terroriste. Ça s'est passé quelques heures après le crash. Oui. Et donc, il y a quelques heures aussi, enfin, il y a quelques temps, la France, les services français, l'État français, accuse le DRS de proxy war. Je répète le mot, de proxy war. C'est-à-dire? De proxy war en Tunisie, en Libye et au Sahel. Le proxy war, c'est-à-dire, c'est une guerre sous couvert. Derrière un éventail. Sous fausse bannière, comme on dit. Absolument. Oui. Maintenant, entre les deux événements, il y a beaucoup de choses.
choses qui se sont passées. Effectivement, depuis qu'on a parlé tous les deux là, il y a quelques temps, il a été confirmé que c'est vrai, il y a eu dans l'avion des officiers, des services français qui étaient à bord de cet avion. Et donc ça expliquerait peut-être l'envouement de l'État français à vouloir savoir ce qui se passe par rapport à ce crash, et d'une manière assez extraordinaire, qui viole, comme l'a dit le monsieur qui vient de parler, qui viole toutes les lois du droit international concernant l'aviation, ça d'un côté, et d'autre part, comme vous avez bien dit là, en éliminant, en effaçant les familles de ces victimes, parce que ça reste quand même des victimes. Oui. Oui. Et donc, c'est pour ça que je reviens à dire que c'est tellement compliqué qu'il faudrait peut-être un peu faire le résumé de quelques événements qui se sont passés il y a quelques temps pour comprendre réellement les enjeux dans cette région. Haroun, essayez de le faire en 4 minutes parce qu'il nous reste plus de temps, mais j'aimerais vraiment que vous essayiez de synthétiser pour que les gens comprennent ce qui s'est passé. Bon, écoutez, je vous donne. Bon, il y a tellement de choses. Moi, je vous donne, par exemple, vers novembre 2011, il y a un groupe, le Comité révolutionnaire libyen, qui a abattu des terroristes à Rat en Libye qui venaient d'Arlit. Ces terroristes étaient des envoyés de l'ACMI. Et donc, quand ils les ont abattus, il y a un parmi eux qui a été blessé et qui a été remis au service algérien. À l'époque, rappelez-vous que c'était le général Hassan qui était responsable de la lutte antiterroriste. Oui, oui. Donc, ce personnage leur a permis à l'époque de leur donner beaucoup, beaucoup d'informations. Il faut dire d'abord que l'implication, disons, l'infiltration des services algériens de ces groupes armés est d'un étendue incroyable. C'est-à-dire que ces agents ont réussi à infiltrer tous les groupes terroristes dans toute la région de Libye, en Tunisie, en Syrie et en Irak. Oui. Et au Sahel, bien sûr. C'est très, très vaste. C'est pour cela, justement, que je reviens à ce que vous avez dit. Oui. Effectivement, John Kerry, la mission principale de sa venue en Algérie, c'était d'instruire, je dis bien instruire à Bouteflika, de ne pas toucher à Toufik. Oui. Ça veut dire Saïd Bouteflika, vous voulez dire? Absolument. Bon, Saïd Bouteflika, qui n'atteint même pas la place de Omar Bongo pour la France, qui reste un petit, mais qui a vendu l'Algérie, il s'est justement engagé à ne pas toucher tout faire. C'est pour ça que durant le dernier mouvement de l'armée, tout le monde a été, bon, il y a beaucoup de gens qui ont été mis à la retraite, sauf tout faire qu'on n'a pas touché. Parce que, bon, il faut dire que, quelque part, c'est tout faire qui est le garant de la présence américaine dans l'océan. Mais Capitaine Haroun, en 2 minutes, parce que vraiment, qu'est-ce que ces rumeurs de Hezbollah dans l'avion, d'agents de Bachar el-Assad, d'agents du DRS, d'agents des services français? Il n'y avait pas d'agents du DRS. Je confirme qu'il y avait des agents de la DGSE. Ça, je vous le confirme. Des agents algériens, en tout cas. Pardon, il y avait des Libanais aussi. Oui, des Libanais. Une chose, pardon. Il faut dire que la coopération entre les services français, c'est-à-dire la coopération entre l'Algérie et le partenaire Victor, je répète, la coopération entre l'Algérie et le partenaire Victor, la France, oui, se fait d'une manière normale. C'est-à-dire que chaque 3 mois, les Algériens des services montent à Paris et les prochains 3 mois, les partenaires des services français descendent à Alger pour faire un peu le point. D'ailleurs, lors de la dernière mission du ministre de la Défense français, c'est un groupe d'officiers du DRS, dont un colonel qui était le chef, qui ont été justement pour préparer cette réunion et ils sont descendus à lever avec le ministre de la Défense français. Oui. Et donc, la situation actuellement entre les services, c'est que moi je t'aime, toi non plus.
C'est-à-dire que y a une résistance, il y a une très forte résistance du DRS à coopérer avec la France. C'est pour cela justement que les Américains veulent le maintien de Tofir. Maintenant, si je pense, on n'a pas le temps de tout dire parce qu'il y a plein de choses à dire. Maintenant, s'il faut revenir et expliquer, j'aurais bien aimé que vous me posiez la question comment que ça se fait qu'on est arrivé à ce point de non-dignité, de déshonneur, de tout ce que vous voulez, un point de dégradation, de non-charaf, de tout ce que vous voulez, d'indignité, de tout ce que vous voulez. On est arrivé à ce point, justement. Pourquoi? C'est parce que, justement, Tofir s'est tué. C'est parce que les gens qui étaient dans une position où ils pouvaient faire quelque chose n'ont rien fait. Au contraire, en apparence, il y avait une guerre. L'émission est terminée, malheureusement. En réalité, c'était vers le statu quo que le tout tombait. Cette émission est malheureusement terminée, mais je vous lance une invitation, Capitaine Haroun, pour en reparler quand vous voudrez. Nous sommes obligés d'arrêter l'émission, mais on a appris quelque chose, c'est que la France, pour les services, s'appelle le partenaire Victor. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Azul Vlaoun, à la prochaine.